Vous allez voir aussi d'autres parlent de surveillance en matière de suivi, alors que quand nous parlons d'évaluation, il s'agit de juger, apprécier, donc apporter un jugement sur quelque chose qui se passe. Le suivi également, c'est enregistrer et rendre compte. Alors que l'évaluation, à un moment donné, comme on l'a dit, c'est juger, évaluer, donner son point de vue, apprécier. Le suivi permet de prendre des décisions quotidiennement, donc c'est couramment. Ça peut être même quotidiennement, ça peut être horaire même, pourquoi pas. Alors qu'en matière d'évaluation, c'est des décisions, c'est des recommandations, comme on a souvent l'habitude de le dire, c'est des recommandations. Et c'est ponctuel. Le suivi permet également de fournir des informations à des fins d'évaluation. C'est très important parce que lors de l'évaluation, on est obligé de recourir au suivi pour la collecte des données. L'évaluation, quant à elle, permet de fournir des informations à des fins de planification. Et donc, comme vous allez le constater, le suivi diffère de l'évaluation en ce sens que le suivi est continu, donc tout le temps, tous les jours, périodiquement, hebdomadairement, mensuellement, le suivi se passe. Alors que quand il s'agit de l'évaluation, c'est un truc ponctuel, périodique, qui peut être trimestriel, annuel, biannuel, etc., etc. Et le plus souvent, nous faisons également l'évaluation à mi-parcours. Donc, lorsqu'on a un projet, au milieu du projet, on se dit où est-ce qu'on en est et on prend la photographie en un temps T de ce qui s'est passé dans le projet et c'est ça l'évaluation. Nous allons essayer également de définir clairement les éléments à suivre au début du projet. Donc, et les éléments doivent être étroitement liés aux objectifs que nous sommes fixés pour ce programme, bien sûr, ce projet. Réfléchir à ce à quoi ressemble le succès. Le succès pour nous, c'est quoi? C'est d'atteindre tel seuil, tel autre seuil. Donc, ça doit être défini très tôt, dès le début, pour ne pas être surpris au cours de la réalisation. Les indicateurs également doivent être choisis et c'est des indicateurs clés, très importants. Et les indicateurs, ils doivent être smart pour que lors de leur collecte, qu'il n'y ait pas de problème de calcul, ça doit être très smart. Et comme vous devez vous y attendre, au fur et à mesure qu'on met en œuvre le projet ou le programme, ces indicateurs peuvent être objets de modification pour s'adapter au cours du projet ou bien du programme mis en œuvre. Quelques exemples d'éléments qu'on peut suivre. Les éléments peuvent être basés sur plusieurs domaines, dont les ressources humaines. Ça peut être le nombre d'utilisateurs de l'application. La satisfaction des utilisateurs, c'est très important parce que lorsque vous mettez en place un programme tracker et que les utilisateurs ne sont pas satisfaits, vous allez voir que la complétude, la promptitude sera très, très, très faible. Et donc, à un moment donné, l'application, sinon le programme tracker, va disparaître de votre système. Également, le programme même peut être objet de suivi en ce qui concerne les entités suivies enregistrées, telles que le nombre de mères, les enfants, le stock des intrants, les cas notifiés, c'est des exemples. Les autres chose également, ça peut être l'exhaustivité, la ponctualité, sinon la promptitude. Combien de jours ont été nécessaires pour rapporter un cas de manifestation adverse post-immunisation si le patient nécessitait par exemple une investigation? Donc la promptitude dans les actions, la promptitude entre le délai qui est réduit entre la notification et l'investigation. Et puis, les indicateurs de qualité également doivent être suivis, notamment
la promptitude, la complétude, l'exhaustivité, etc., etc. Également, d'autres domaines de performance technique du programme peuvent être suivis, notamment le temps de réaction, le temps de réponse, l'équipe d'assistance également au niveau central peut être suivie par rapport à sa performance. Par exemple, l'équipe d'assistance également, quand nous prenons par exemple la COVID, quand la COVID a commencé, on a mis en place des centres d'appel. Donc, et dans certains pays, il y a eu beaucoup de réclamations vis-à-vis des utilisateurs de ces centres parce qu'on n'appelle personne, ne répondait. Donc, c'est des indicateurs comme ça qui peuvent être suivis. Donc, avant de continuer, on va essayer de voir, de faire un second jeu pour qu'on sache selon vous, dans vos différents projets ou programmes, quels sont les éléments, sinon les indicateurs que vous suivez. Et on va continuer avec le MINTI. Donc, le MINTI, comme le nom l'indique, ce n'est pas pour mentir. Il faut dire correctement les choses, ce que vous faites, pour qu'on puisse avoir... D'accord. Donc, vous avez dans le chat également on est ensemble. Ça ne change pas. Vous pouvez remettre un peu les codes, s'il vous plaît. C'est déjà envoyé. Les codes? Oui. Le code ne passe pas. Ça ne passe pas. Le code ne passe pas. Bon, toutes nos excuses, le code ne passe pas. On va continuer la présentation. Toutes nos excuses. On va continuer la présentation. Code ne passe pas. Oui. Vous laissez, on continue la présentation, s'il vous plaît. Et puis le suivi aussi, au cours des suivis, on doit se poser un certain nombre de questions, aller au fond des différentes causes pour retrouver les causes sous-jacentes, parce que le plus souvent, on fait une analyse superficielle et les causes réelles qui sous-tendent le problème sont là et on passe à côté. Et quand on met en œuvre les recommandations, sinon les suggestions, les actions correctrices, rien ne se passe parce qu'on n'a pas retrouvé les causes sous-jacentes qui sont à l'origine de ce problème. C'est pourquoi il faut chercher. Vous connaissez le plus souvent, on parle de les sept pourquoi. Donc, une fois que vous avez une cause, vous dites pourquoi il y a eu cette cause. Lorsque vous trouvez une réponse, vous dites pourquoi jusqu'à sept fois. Et selon les étages, on retrouve jusqu'à aller retrouver la cause sous-jacente qui serait à l'origine. Et quand on met en place, en œuvre des actions correctrices, et on arrive à résoudre ce problème. Que pouvez-vous faire à ce sujet? Mettre en œuvre les changements, continuer le suivi. Bien, comme les autres ont présenté et puis ils ne vous ont rien dit,
Moi, je vais vous filer un petit secret pour ceux qui continuent à me suivre. Le mot du jour, c'est capacité et compétence. Nous avons également dit au départ qu'il y avait des outils qui peuvent nous aider à faire le suivi. Entre autres, ces outils, il y a des tableaux de bord, les analyses de règles. Nous sommes dans le DHS2, les analyses de règles de validation, des applications également, analyse de l'utilisation, les applications, une application étendue aux utilisateurs. Également, les Android peuvent nous aider, la console Google Play, une autre application Android, Matomo, qui peut nous aider. On peut aller même du côté serveur pour ceux qui maîtrisent le serveur avec des requêtes qu'on peut lancer, des vues SQL, pourquoi pas. Et tout ceci peut être représenté sous forme de graphique permettant aux utilisateurs à un moment donné de voir comment ça se passe et attirer l'attention des uns et des autres, aussi bien les utilisateurs que les promoteurs, ceux qui promeuvent le programme. Une application qu'on appelle User Extended App, donc l'application étendue aux utilisateurs mise en place par WHO, c'est l'OMS qui a mis en place pour aider le DHS2. Et donc, à travers les connexions des utilisateurs, vous avez les données sur les connexions des utilisateurs, les dernières mises à jour. Et ces données peuvent être filtrées, téléchargées au format CSV que vous pouvez transformer en Excel et approfondir vos analyses. Donc, vous avez le nom, prénom des utilisateurs. La dernière fois qu'ils se sont connectés au DIH, à votre programme, les dernières mises à jour, etc., leur rôle, le groupe auquel ils appartiennent. Maintenant, quelles saisies de données, quelles données ils saisissent, et puis au niveau, à quel accès, au niveau de output, les résultats ou bien les unités d'organisation des résultats. Donc, on leur a attribué également, vous pouvez le voir. Donc, plusieurs applications, par exemple, celle-ci, c'est ANR et Crashis, donc qui permettent aussi de faire des graphiques et de voir l'évolution en fonction des éléments que vous avez retenus. Donc, beaucoup d'applications pour nous aider, des tableaux de bord, pourquoi pas. Et vous avez des séries temporelles également qui sont... Et on va faire une petite escale à propos de Matomo, qui est une application également pour nous aider à faire le suivi. Donc, les visites, le plus souvent, quand vous allez sur certains sites, vous voyez le nombre de personnes qui sont connectées au temps T, ou bien il y a une heure dans les 24 dernières heures, ou bien les 30 dernières minutes, le nombre de personnes qui sont visiteurs, qui sont connectés. C'est exactement la même chose qui se passe ici, avec un résumé des visiteurs. Les 13 dernières minutes ou bien les 30 dernières minutes, les 24 dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, la provenance aussi de ceux qui se connectent. Vous allez voir tout ça là représenté sur la carte. Donc, en fonction de votre pays, vous allez voir la provenance de ceux qui se connectent à ceux ou à votre programme. Et pour ceux qui également maîtrisent le SQL du côté du serveur, il y a aussi des requêtes qui peuvent être lancées et présentées sous forme de tableau de bord. C'est comme un tableau de bord de votre véhicule où vous avez à un moment donné le nombre de personnes qui s'inscrivent sur le, si vous avez autorisé au niveau de votre programme que les gens peuvent s'auto-inscrire, c'est possible, le nombre de ceux qui se sont inscrits. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté le projet, après inscription, ils ont quitté, ça aussi, ça s'affiche.
Et ceux qui se connectent à l'instant T également, vous affichez tout cela. Dans des applications, il y en a beaucoup qui puissent nous aider à faire le suivi selon le choix des indicateurs, selon le choix des éléments essentiels, importants que nous avons retenus dès le début de mise en œuvre de ce programme. Donc, après le suivi, il est vrai, lorsque un projet est mis en œuvre, vous suivez, mais à un moment donné, vous devez vous arrêter pour vous demander, mais dans tout ce que nous faisons là, on en est où par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés? Et ça, c'est l'évaluation. Donc, c'est la photographie authentique de ce que nous avons fait depuis le début jusqu'au jour où l'évaluation se mène, ou bien à la période de l'évaluation. Et donc, l'évaluation, le plus souvent, ça peut être avant le projet. Et quand on mène une évaluation avant le projet, donc c'est pour pouvoir préparer le projet dans sa faisabilité. Est-ce que ce projet est faisable du point de vue de plusieurs aspects, du point de vue économique, du point de vue ressources humaines, du point de vue matériel, etc. Est-ce que ce projet peut être réalisé? Donc, on se pose cette question et on met en œuvre l'évaluation. Et les conclusions de l'évaluation nous permettraient peut-être de mener à bien ce projet. Également, lorsque le projet est mené, au milieu du projet, si vous avez un projet de 5 ans, après 2 ans ou bien 2 ans et demi de mise en œuvre, il faut s'arrêter aussi pour voir les changements qui sont intervenus. Est-ce qu'il faut corriger quelque part ou bien améliorer, maintenir d'autres choses? Là, c'est le projet, l'évaluation à mi-parcours, à mi-projet. Et enfin, lorsque le projet est fini, il faut également évaluer pour voir est-ce que les résultats qu'on escomptait au départ, est-ce qu'on a pu les atteindre? Qu'est-ce que nous devons faire pour que si on doit ou bien on doit refaire ce projet, ce programme, pour que le nouveau projet qu'on mettra en place, le nouveau programme qu'on mettra en place puisse réussir, ou bien si quelqu'un voudrait le mettre dans un autre contexte, de quoi a-t-il besoin pour que ça puisse marcher là où nous avons échoué. Donc, et tout ceci, on ne peut pas faire une évaluation en écartant le suivi. Le suivi également a son mot à dire dans ce contexte d'évaluation parce que les données que nous allons collecter pour évaluer viennent des données que nous avons suivies du début jusqu'au temps où nous faisons notre évaluation. Les différentes approches de l'évaluation, on vient de le dire, on peut évaluer pour voir la faisabilité du projet, du programme, évaluer si le système de santé peut fonctionner comme prévu dans un contexte donné, la facilité d'utilisation, on peut également évaluer si le système de santé numérique est utilisé comme prévu, et du point de vue efficacité aussi, est-ce que ça marche? Évaluer si l'intervention en matière de santé numérique atteint les résultats que nous nous sommes fixés dans un contexte de recherche. L'efficience également peut être évaluée et la recherche sur l'implémentation, évaluer l'adoption, l'institutionnalisation, la durabilité des interventions dans le santé, dans des interventions de santé numérique fondées sur les données probantes dans un contexte donné, y compris les politiques et les pratiques. Une évaluation, c'est quoi? Ça doit nécessairement déboucher sur des recommandations et qui dit recommandation dit action, sinon des mesures importantes, correctrices qu'on doit prendre pour améliorer une situation donnée, les problèmes, pour résoudre les problèmes qui ont été constatés lors de l'évaluation. Et donc, l'équipe, ça peut être l'équipe technique qui devrait être organisée différemment
pour que le projet puisse marcher. Peut-être que le suivi supervision n'a pas marché au niveau de l'équipe technique, ou bien carrément c'est au niveau de la coordination de l'équipe technique que ça n'a pas marché. Parce que dans un projet, par exemple, surtout au niveau santé, ce n'est pas seulement un programme qui fait partie. Vous avez, si je prends le ministère ou bien le département santé, vous avez plusieurs programmes qui sont dedans, VIH, paludisme, etc. Est-ce que la participation de tous ces programmes a contribué ou bien n'a pas contribué à la tête des résultats escomptés? Donc, également, on doit regarder du côté des ressources qu'on a mises en place. Je vais parler des ressources matérielles, par exemple les appareils qu'on a achetés, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Est-ce qu'on a suffisamment acheté pour que le programme puisse marcher correctement? La formation qu'on a réalisée, est-ce que cette formation a eu un impact sur les utilisateurs? Est-ce que cette formation, le plus souvent nous faisons des formations en cascade, donc le niveau central forme le niveau provincial, le niveau provincial, le niveau district ou préfectoral, mais est-ce que la transmission du niveau central jusqu'au niveau district, est-ce que cette transmission a été la même, vous voyez, au niveau de la formation, améliorer la conception du programme également, est-ce qu'il n'y a pas de souci dans la conception du programme, et également accroître la sensibilité, soutenir la connectivité, ça c'est très important surtout dans le contexte africain où vous arrivez dans des régions, la connectivité même pose problème. Les gens ne sont pas connectés. Or, le DHS2, nous savons qu'il faut la connexion nécessairement, quand bien même on dit qu'on peut saisir et après envoyer. Mais la première fois pour saisir, il faut charger d'abord le formulaire. Si vous n'avez pas la connexion, le formulaire ne se charge pas. Et là, vous voyez que c'est un gros problème pour que le programme puisse marcher dans ces conditions. Donc, les principaux secteurs de financement, on va se partager quelques principaux secteurs de financement, les défis et pourquoi faut-il un soutien pour mettre en œuvre ces différents projets, les activités, quelques activités ciblées que nous recommandons. Par exemple, renforcer l'équipe nationale de base en matière de salaire, compensation, renforcement des capacités à travers les différentes académies. Le défi, c'est que pourquoi que l'équipe nationale est par exemple en sous-effectif. Là, on peut se dire, bon, il faut renforcer l'équipe en ressources humaines ou bien recruter, soit on recrute, et quand on recrute, le plus souvent, il faut un salaire à côté. Les compétences sont insuffisantes. Là, il faut donner ces compétences insuffisantes à l'équipe nationale. C'est là où les académies interviennent, les assistants techniques, pour qu'on puisse faire le transfert le plus souvent de risque vers les équipes nationales. Et c'est des postes, les activités ciblées, il faut promouvoir un certain nombre de postes. Si c'est le personnel qui manque, il faut du personnel qu'on va recruter ou bien juste un redéploiement et puis le problème est résolu. Des fois, c'est des formations à travers les experts qui vont faire l'information, ou bien c'est des académies qu'on organise. Le plus souvent, les pays également peuvent inviter les experts chez eux, pourquoi pas. Et comme le plus souvent, ces formations coûtent cher, il faut l'aval de certains, sinon l'appui de certains partenaires, donc parrainés par certains partenaires pour que ça soit supportable à nos différents pays. Également, la formation des utilisateurs à tous les niveaux et en continu, au moins une fois par an, c'est ce qui est souvent recommandé par rapport à l'utilisation des données. Donc, lorsqu'on constate que l'utilisation des données est limitée, le plus souvent, les gens se cantonnent seulement à introduire, à envoyer les données dans les programmes, et dans les applications. Mais comment utiliser ces données? Bon, ce n'est pas leur problème. C'est le niveau central qui a demandé, on met les données.
Et puis, bon, on ne se pose plus de questions quant à l'utilisation de ces données. Et les problèmes surgissent. Et on s'est dit, bon, le niveau central viendra résoudre. Donc, on préconise le plus souvent des formations régionales sur l'utilisation des données pour les responsables d'un district pour pouvoir résoudre ces problèmes constatés. La coordination et la gouvernance. Le plus souvent, nos projets ou bien nos programmes échouent parce qu'il y a problème de coordination et de gouvernance. Le plus souvent, pour commencer un projet, on met en place au niveau national une équipe de coordination. Et on se dit, chaque trimestre ou bien chaque mois, on doit faire des réunions. Mais ma foi, pour pouvoir réunir les gens au niveau central, ça pose énormément de problèmes, ce qui fait que durant tout le projet, aucune réunion n'est réalisée. Et puis, on se rend compte, après des mois de mise en œuvre, que le projet, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, il faut mettre en place une équipe de gouvernance du DSF2 pour coordonner le contenu, les nouvelles fonctionnalités, intégrer la collecte des données dans tous les principaux programmes de santé. Parce que si c'est un projet parcellaire que vous faites, surtout au niveau du département de santé, vous allez voir que les autres programmes vont chercher à élaborer leur propre programme, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous allez voir qu'au lieu d'intégrer le programme, nous allons plutôt désintégrer le programme et à un moment donné, le système d'information, l'appui, l'apport des applications, l'apport du DHS2, l'apport des programmes de tracking en matière de dans le système d'information sanitaire sera très, très, très faible. Sinon, il y aura échec de mise en œuvre de nos différents programmes. Bien, un petit exercice quand même pour terminer. Si Agnon nous permet. Agnon? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est ça, le petit programme là, le petit exercice pour qu'on puisse voir au niveau de vos différents projets, sinon de vos différents programmes, les trois éléments essentiels que vous suivez ou bien vous souhaitez suivre. Donc, si les participants me suivent, à vos claviers. Agnon peut nous aider? Oui, bien sûr. Pense que le second Mentimeter est déjà disponible. J'ai envoyé le code pour le faire. Maintenant, par rapport à la dernière question que le docteur Janine vient d'énoncer, on peut prendre la peine de répondre dans Slack et on va faire le tour pour répondre. D'accord, merci beaucoup. Donc, prenez la peine de remplir le deuxième menti. Donc, je vais encore envoyer son code ici en commentaire. Je vois que déjà, il y a certaines personnes qui ont envoyé. De façon vraiment rapide. Et par rapport au dernier point, à la dernière question, vous pouvez rapidement le faire au niveau du Slack. Donc, c'est de citer trois éléments que vous souhaitez suivre dans le cadre de votre projet. Et je vais mettre aussi la question dans le Slack. Et vous allez pouvoir répondre. Vous allez répondre directement à la question. Donc, ce n'est pas la peine de taper. Il faut répondre comme ça. On pourra lire clairement la suite. Donc, question, je mets ça. Question. Voilà, donc c'est envoyé dans Slack. On peut prendre la peine de répondre. Merci beaucoup.
Nous allons vous accorder quelques minutes. Mais toutefois, s'il y a une réaction, vous pouvez lever la main dans Zoom. On peut vous accorder la parole, peut-être pour partager l'expérience pays que vous avez avec les autres. Merci. Mot du jour. Les gens n'ont pas suivi. Est-ce que j'ai fermé mon micro?